Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde Vu d'en bas, qui comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est l'élimination scandaleuse de Laurent Gbagbo de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. La seconde est la décision du gouvernement malien d'exiger le retrait des troupes de l'ONU de l'ensemble du pays. Nos deux dernières chroniques ont tenté de restituer les contextes et enjeux de la stratégie visant à éliminer le candidat de l'opposition patriotique sénégalaise Ousmane Sanko de la course au présidentiel tout en l'habillant d'un vernis de légalité par l'organisation d'un procès et d'une condamnation ubuesque. Un scénario du même type est mobilisé en Côte d'Ivoire pour éliminer Laurent Gbagbo, avec bien sûr des différences locales, mais sur fond d'objectifs identiques, à savoir l'élimination du candidat de l'opposition et la défense de l'état colonial actuel. Le scénario inique ivoirien se couvre comme au Sénégal d'un vernis juridique. Cette fois-ci, c'est la commission électorale indépendante qui décide de radier le candidat Gbagbo du fichier électoral en raison, je cite, de sa condamnation à 20 ans de prison. Et à la perte de ses droits civiques en août 2020 dans l'affaire dite de la casse de la BCEAO. Rappelons que dans cette affaire, l'ex-président Laurent Gbagbo et trois de ses ministres étaient condamnés pour avoir, au moment de la crise post-électorale de 2010-2011, donné l'ordre d'ouvrir les coffres des agences de la BCEAO, la Banque Centrale Ouest-Africaine, alors que l'institution sous-régionale avait pour consigne de bloquer les comptes de l'État ivoirien. Il n'est donc pas inutile de rappeler brièvement ce qui est désormais appelé pudiquement et euphémiquement crise post-électorale, mais qu'il faudrait appeler par son véritable nom une ingérence française-africaine pour imposer par la force le gérant néocolonial Alassane Ouattara. Depuis cette date et tout au long de ses trois mandats, Ouattara n'a sans surprise jamais cessé d'être un bon élève africain aux yeux de Paris, de l'Union européenne et de Washington. L'annonce des résultats des présidentielles fin novembre 2010 est le théâtre d'une double proclamation. La commission électorale proclame Ouattara vainqueur avec 54,1% des voix, alors que le conseil constitutionnel pro proclame Gbagbo élu avec 51,45% des voix. Les initiatives de l'Afrique du Sud et de l'Angola visant à trouver une sortie pacifique à cette crise sous la forme d'un recomptage des voix sous contrôle d'autres pays africains, se heurte le 17 décembre à un ultimatum de 48 heures du président français Nicolas Sarkozy. Je cite, Si avant la fin de la semaine, Laurent Gbagbo n'a pas quitté le poste qu'il occupe en violation de la volonté du peuple ivoirien, il sera nommément sur la liste des sanctions. Fin de citation. Les intérêts occidentaux et français en particulier volaient au secours de leur candidat Ouattara, inquiets qu'ils étaient des discours de Gbagbo évoquant, je cite, la lutte pour une seconde indépendance, le refus de l'ingérence coloniale et néocoloniale, et le droit souverain de choisir ses partenaires économiques. Fin de citation. La réponse de Bagbo à l'ultimatum français ne se fit pas attendre. Celui-ci exigeant, je cite, le retrait des troupes françaises de l'opération Licorne et de celles de l'ONU à échange de leur mandat, c'est-à-dire le 20 décembre 2017. Fin de citation. Il s'en suivra la dite guerre des dix jours, dans laquelle les troupes françaises n'hésitent pas à utiliser des armes lourdes contre le siège de la présidence ivoirienne pour imposer leur poulain Ouattara et arrêter Laurent Gbagbo. Celui-ci est déféré devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, avec comme conséquence de l'éliminer de la vie politique ivoirienne pendant dix ans. Une décennie plus tard, en effet, en avril 2021, les juges de la Cour pénale internationale étaient contraints devant le dossier vide d'acquitter purement et simplement Laurent Gbagbo, qui décidait immédiatement de rentrer au pays pour y reprendre sa place politique. C'est donc en son absence, c'est-à-dire alors qu'il était détenu par la Cour pénale internationale, que Laurent Gbagbo est jugé pour le dit casse de la BCEAO avec un verdict lui retirant ses droits civiques. L'acquittement de Gbagbo par la Cour pénale internationale et sa popularité encore accrue au moment de son retour au pays contraignent Ouattara à promulguer une grâce présidentielle sur l'ensemble de la peine avec une seule exception, celle du maintien du retrait de ses droits civiques afin de rendre sa candidature impossible aux prochaines présidentielles. Après un énième recours de Gbagbo devant la commission électorale indépendante afin d'être inscrit sur les listes électorales, cette dernière confirme le 8 juin 2023 son refus en jouant sur les mots. Celui-ci a été gracié et non amnistié, explique cette, cette commission. Laurent Gbagbo, pour sa part, continue de dénoncer le caractère inique du procès qu'il a condamné. Je cite, Je ne sais pas pourquoi on m'a jugé et condamné. Personne ne m'a convoqué parce que pour qu'il y ait un procès, l'accusé est convoqué. On lui remet une convocation là où il réside. Or, tout le monde entier, tout l'univers sait où je résidais au moment de ce procès. J'étais à la Cour pénale internationale. Fin de citation. La comparaison entre le verdict éliminant Ousmane Sanko de la présidentielle au Sénégal et celui retirant les droits civiques à Gbagbo en Côte d'Ivoire pourrait prêter à rire si elle ne révélait pas l'ampleur des affrontements pour le contrôle de la région. Sonko est accusé de corruption de la jeunesse et Gbagbo de braquage d'une banque lors d'un procès où il n'est même pas présent pour donner sa version des faits. Les deux ont pour point commun de défendre des positions internationales et nationales qui ne correspondent pas entièrement aux désiderata et aux intérêts occidentaux dans la région. Tous deux s'opposent à des candidats néocoloniaux, constituant des points d'appui essentiels de l'Union européenne en général et de la France en particulier sur le continent en général et dans la région plus spécifiquement. Chassés du Mali, du Burkina et de Centrafrique, remis en cause par des opinions publiques ne supportant plus les ingérences étrangères en général et françaises en particulier, confrontés au refus de nombreux pays africains de suivre l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Paris, Bruxelles et Washington réagissent en tentant de renforcer à tout prix, et même au prix du ridicule, leurs pions dans la région et sur le continent. Sur l'ensemble du continent, les opposants à ces pions ou à ces gérants néocoloniaux risquent d'être accusés soit de violences sexuelles et d'agressions sexuelles, soit de sécession, ethnisme ou régionalisme, soit de vol ou corruption. Décidément, la bataille qui se mène en Afrique se joue sur tous les fronts y compris sur les fronts idéologiques et de propagande. En Côte d'Ivoire comme au Sénégal, ce qui se joue au travers de ces affaires n'en fait rien d'autre que le combat pour maintenir le néocolonialisme face à des peuples qui le supportent de moins en moins. Le vendredi 16 juin, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU le départ sans délai de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali, c'est-à-dire le retrait immédiat de toutes les forces militaires des Nations unies. L'exigence du départ des casques bleus intervient 16 mois après celle de l'exigence du départ des troupes françaises. Les motifs invoqués pour le départ de ces troupes présentes depuis 2013 sont, je cite, Déployée depuis 2013 pour restaurer l'autorité de l'État et protéger les civils, la mission de l'ONU n'a pas atteint son objectif fondamental, à savoir apporter les réponses adéquates à la situation sécuritaire du Mali. La MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires, ce qui engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Fin de citation. Les 15 000 militaires, policiers et civils de l'ONU devraient donc prochainement quitter le Mali, confirme El Mouane, le chef de la MINUSMA. Je cite, Le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte. Et sans ce consentement, les opérations sont presque impossibles. Fin de citation. Si de nombreux titres français relatent la décision du gouvernement malien, une logique réductrice et une occultation sont repérables dans le rendu compte des débats. La logique réductrice consiste à ne rendre compte que d'une partie de l'argumentaire du gouvernement malien, rendant ainsi l'exigence de retrait malienne incompréhensible. Loin d'être une position dogmatique, d'opposition par principe à l'ONU, le gouvernement malien a commencé par plaider pour un renversement de la force de l'ONU, mais avec une mission précisée et plus adéquate à la situation de la lutte contre le djihadisme. Je cite. Globalement, la posture de la mission est restée plutôt statique et défensive, ce qui a facilité la liberté de mouvement des groupes extrémistes et terroristes. Ces derniers en ont profité pour mieux s'organiser et pour multiplier les attaques contre les populations civiles, contre les forces de défense et de sécurité du Mali, mais également contre les forces étrangères. Il est important qu'au moment où vous envisagez le renouvellement du mandat de la MINUSMA, que vraiment, la capacité de mobilité de cette mission puisse être renforcée et que les patrouilles soient également intensifiées. De même, le gouvernement malien a critiqué les lenteurs de l'ONU pour l'adoption de la résolution portant création d'une force antiterroriste du G5 Sahel. Cette force, coordonnant les actions militaires antiterroristes de cinq pays de la région, est actuellement freinée par Washington et Londres. Le ministre des Affaires étrangères explique ainsi, je cite. Après le nord, le centre du Mali est désormais aussi la cible d'attaques récurrentes, d'où l'urgence d'un soutien du Conseil de sécurité à la création de la force du G5. Je voudrais exprimer les vives préoccupations du Président de la République du Mali, président en exercice du G5 Sahel, face aux difficultés rencontrées par le Conseil de sécurité pour l'adoption de la résolution relative au déploiement immédiat de la force conjointe dont l'annonce a cependant suscité beaucoup d'espoir au niveau des populations de la région du Sahel. L'adoption de cette ré résolution enverra un message fort et sans équivoque aux groupes terroristes et aux trafiquants de tout ordre. Fin citation. Cette logique réductrice permet de présenter la demande malienne du retrait de la MINUSMA comme irréaliste, dangereuse et dogmatique, c'est-à-dire uniquement motivée par les alliances nouvelles du Mali avec la Russie. L'occultation, pour sa part, consiste à taire l'existence de nombreuses manifestations populaires exigeant le retrait de la MINUSMA. Cette occultation permet de présenter le gouvernement malien comme étant une junte dépourvue de toute légitimité, alors même que celui-ci a annoncé un référendum constitutionnel pour ce 18 juin, devant ouvrir le retour au processus électoral pour février 2024. Bien sûr, avec un tel réductionnisme et de telles occultations, la conclusion est l'annonce d'une catastrophe sécuritaire au Mali après le départ des troupes onusiennes. Rappelons simplement qu'une telle catastrophe était annoncée par les mêmes titres lors du départ des troupes françaises et que ce scénario, catastrophe, a été démenti par la réalité. Si bien sûr les groupes terroristes sont toujours présents aujourd'hui comme hier, la situation n'est pas pire aujourd'hui qu'avant le départ des troupes françaises. Il en va des plans sécuritaires et militaires comme du plan économique. C'est en s'appuyant d'abord sur la mobilisation populaire que l'on peut être efficace et non en sous-traitant à des forces extérieures la défense du territoire et de la sécurité intérieure. Le savoir est une arme et il commence par le savoir-s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vu d'en bas.